Bien, donc bonsoir. Euh, bon vous avez vu qu'on a à nouveau changé d'amphi. Si tout va bien, je touche du bois. Le mois prochain nous serons de, ret de retour en deux Debourssay, mais maintenant je ne sais plus je sais plus quoi euh, dire. Euh, S'ils si ça, ça, euh, ne vont pas encore nous changer, bon on verra. Euh, voilà. Euh, là c'est parce qu'ils euh, nous ont dit en Debourset, il n'y a plus de chauffage, donc c'est une glacière, donc on vous met en... Dans l'amphi, oui. Voilà, vous savez tout. Bref, donc nous continuons notre exploration de, dans ce cycle de conférences sur cette idée de, de, de faire campagne, partir en campagne à travers les âges. Nous remontons, enfin nous, nous descendons le, le temps, comme, comme à l'habitude. Après l'Antiquité, le Moyen Âge, et bien bien évidemment nous attaquons l'époque moderne. Euh, Cervé de Révillon, euh, que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Euh, qui, qui, qui s'y colle ce soir, hein. Hervé Drévillon, il est professeur à Paris 1, et c'est lui euh, ben notre, notre grand chef, hein, puisque c'est en même temps le directeur du domaine, puisqu'on appelle ça un domaine histoire de la défense et, euh, et de l'armement, c'est ça l'intitulé exact, oui, oui. à l'IRSEM, euh, Hervé est à l'origine un dix-septiémiste, et donc il était tout à fait euh, indiqué pour nous parler de la guerre de 30 ans, qui a quand même été le grand conflit du XVIIe siècle. Euh, alors je rappellerai quelques-unes de ses publications. Euh, euh, un ouvrage qui s'intitule Bataille, qui a été publié au seuil et qui a été réédité d'ailleurs dans la collection de poche.seuil, euh, qui est quand même un bouquin euh, un peu fondateur hein, pour cette idée de nouvelle histoire bataille. Il y a eu euh, son livre... Euh, euh, l'impôt du sang sur la formation d'une de, 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 couche professionnelle d'officiers euh, dans l'armée de Louis XIV et puis euh, ben, j'ajouterai aussi dans la, dans la grande série euh, Nouvelle Histoire de France chez Belin euh, c'est toi qui as fait volume sur les guerres, du, fin, sur le XVIIe siècle en général hein, si mmh, je ne m'abuse mmh. euh, le titre de la série c'est Nouvelle Histoire de France ou histoire, histoire de France tout court c'est ça une série de gros pavés euh, qui font vraiment le point euh, euh, sur l'histoire de France euh, en tenant compte de, euh, bah, de toute l'historiographie la, la plus récente. Voilà, donc euh, bien, faire campagne pendant la guerre de 30 ans. Euh, voilà, euh, je, je signale dès maintenant que la conférence du mois prochain, au mois de janvier, aura lieu le 8 janvier, et euh, elle portera... Euh, bah, C'était la conférence en fait, qui était prévue pour le mois de décembre, mais qu'on a, on a reportée, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, puisque du coup, ça nous permettra de rétablir euh, la progression chronologique. Et c'est le professeur Olivier Chaline, de Paris 4, qui nous parlera d'un exemple de euh, campagne navale au XVIIIe siècle en l'occurrence, avec tout, toutes les spécificités que les campagnes navales euh, possèdent euh, en comparaison, bien sûr, des euh, campagnes terrestres. Voilà, et puis euh, ben, à l'issue de, de cette heure de conférence, comme à l'habitude, une demi-heure de questions. Où vous aurez la parole. Bien, donc euh, je, je n'ai rien à ajouter à, à la présentation de, de Laurent Hedinger. Donc euh, oui, je vais vous parler. <coughs> De façon un petit peu générale de la question faire campagne pendant la guerre de 30 Ans, en commençant par une citation. Alors je ne sais pas si c'est nécessaire de la relire tellement elle a été citée, mais bon c'est la fameuse phrase de Richelieu. Il se trouve en l'histoire beaucoup plus d'armées périssent par faute de pain et de police que par l'effort des armes ennemies. Donc ça c'est une citation bien connue tirée de son testament politique et euh, cet avertissement est beaucoup plus en fait, qu'une simple injonction à bien gérer l'outil militaire. C'est aussi, je crois, une véritable caractérisation de la guerre qui se pratique alors. Il a écrit son testament politique à la fin des années 30. Euh, le contexte euh, depuis que la France est entrée dans la guerre de 30 ans, c'est-à-dire depuis 1635, et on peut même étendre depuis le début de la guerre de 30 ans elle-même, depuis 1618. Donc le contexte, c'est une augmentation euh, des effectifs militaires, puisque si on s'en tient simplement à l'armée française, et sans entrer dans le débat de savoir euh, si euh, à quelques dizaines de milliers près, euh, bon, euh, c'est un débat qui a notamment posé John Lean, à, euh, à David Parot, à d'autres euh, sur les effectifs de l'armée, on va s'en tenir à un aperçu global. On est passé pour la France à euh, une armée d'à peu près 100 000 hommes. Voilà. Euh, alors qu'on était au XVIe siècle, quand même, un maximum qui était de 50 000 et encore à grand peine. Donc là, on a un doublement de l'effectif militaire pour une population du royaume qui n'a pas augmenté, voire qui a régressé. Ce doublement des effectifs, évidemment, pose à l'État un problème de, de contrôle de ses armées, d'autant que celles-ci se battent sur des fronts extrêmement différents, du nord, du nord au sud. Pendant la guerre de 30 ans, pendant les années 30 et 40, il faut se battre à la frontière espagnole, des deux côtés, hein, côté. Côté basque avec le siège de Fontarabie par exemple en 1938, euh, côté roussillon euh, bien évidemment, on se bat en Italie, on se bat en Lorraine, en Alsace, on se bat également bien sûr comme d'habitude euh, en Flandre. Et même en Picardie euh, en 1636 avec la, la prise de, de Corbie par les Espagnols. Donc... Euh, on a là une difficulté qui consiste à gérer un outil militaire qui s'est considérablement développé. Et toute la question, on va le voir, est de savoir dans quelle mesure l'État a créé les outils nécessaires pour gérer cet appareil militaire. Alors, il y a des éléments nouveaux dans le paysage institutionnel. On, a, on voit s'affirmer le secrétaire d'État de la guerre à partir des années 30. Bien que la fonction existe dès les années 1570, c'est à partir des années 30 que le secrétaire d'État de la guerre, avec des représentants comme Sublet Desnoyers, Servien, puis enfin à partir de 1643, Michel Letellier, c'est là que la fonction vraiment se précise. Et, euh, revêt des attributions de plus en plus importantes. Et puis par ailleurs, il y a aussi le pouvoir des intendants qui, on va le voir, joue un rôle militaire de plus en plus important. Donc ça, c'est l'adaptation de l'État à l'augmentation des effectifs et à l'augmentation de l'ampleur, disons, stratégique du, euh, du conflit. Non, on verra dans quelle mesure cette augmentation des moyens de l'État est suffisante ou pas. Donc, ça, c'est le premier élément de contexte, augmentation des effectifs. Le deuxième élément de contexte qui a une incidence directe sur le constat qui est fait par Richelieu, c'est le contexte économique et global, et je dirais même au-delà, le contexte démographique. Nous sommes dans un moment du retour de la peste. Hein, dès la fin des années 20, la peste est revenue euh, en force évidemment. Elle n'avait jamais jamais elle, euh, elle n'avait jamais quitté en fait le, le, le royaume. Là elle revient sous une forme épidémique extrêmement euh, extrêmement violente hein, dès les années 1628. 1629 euh, peste, on est toujours aussi dans ce contexte climatique caractérisé comme étant le miniage glaciaire, donc c'est un moment euh, qui est caractérisé par de fortes crises démographiques, de fortes crises de subsistance, ce qui pose évidemment à l'armée des problèmes d'approvisionnement et ce qui pose aussi à cette même armée des problèmes lorsqu'elle traverse un certain nombre de provinces, on verra tout à l'heure le cas de la Lorraine, qui sont décimées déjà. Par la peste et par euh, les euh, disettes, auxquelles, bien sûr, euh, difficultés auxquelles s'ajoute le problème de, euh, de la guerre, directement euh, provoqué par la guerre. Donc faire campagne dans ces conditions, ça veut donc dire gérer sur la longue durée, et contrairement à livrer bataille. Hein, faire campagne, c'est gérer l'outil militaire sur la longue durée, éviter le délitement de l'armée qui se traduit invariablement par une perte de capacité opérationnelle. et quand on entre dans le détail en fait des opérations qui sont menées pendant les campagnes, on voit en effet des armées qui, à mesure que le temps avance, perdent tout, leurs effectifs, leurs canons, etc. on citera des exemples hein, où euh, euh, bah, les soldats désertent, bien sûr, meurent, et puis où on on perd la capacité logistique, on ne peut plus nourrir les soldats, ceux-ci désertent, on ne peut même plus tirer les canons parce qu'on n'a plus de chevaux pour les tirer, donc on les abandonne, etc. Donc on a des, on a des campagnes qui s'assimilent, dans certains cas, à, à, à de véritables calvaires, hein, où on voit vraiment la capacité s'étioler euh, au fil du temps. Donc, dans ce contexte, mener campagne, c'est vraiment, comme le dit Richelieu, euh, c'est euh, mettre euh, l'État au défi de l'entretien d'un appareil militaire performant, c'est soutenir l'effort militaire sur la durée, ce qui est vraiment la difficulté. Livrer bataille dans un moment de sursaut comme à Rocroi, j'allais dire c'est facile, non, ça ne l'est pas, mais bon. C'est toujours possible, par exemple, à plusieurs moments, on le voit en 1636 après Corbie, lorsqu'on voit un sursaut presque de défense, avec presque, je dirais même, des accents de défense nationale, hein, lorsque Louis XIII appelle à la mobilisation du, du royaume. Donc là, on voit des sursauts ponctuels qui permettent d'obtenir des, des, des succès, comme en effet à Rocroi. Et la véritable difficulté pour cet État, c'est de mener la guerre dans la durée. C'est bien pourquoi il me paraît intéressant de questionner le fait militaire à l'échelle de la campagne, qui pose ce problème-là. Poser la question de la durée à l'échelle de la campagne, c'est aussi étudier un phénomène qui est très peu étudié par les historiens, et qui est la question des quartiers divers. Pendant les quartiers d'hiver, c'est faux de penser qu'on se repose. Alors oui, bien sûr, on se repose, on reconstitue les armées, mais les quartiers d'hiver sont souvent très actifs parce que on mène une guerre de poste, on mène une guerre de parti, on essaye de déloger ou empêcher l'adversaire de s'installer dans certaines positions. Et les quartiers d'hiver revêtent une telle importance dans le contexte que je viens de décrire, c'est-à-dire lorsque ces armées se décomposent à mesure qu'elles avancent. Eh bien, il faut bien. Prendre des quartiers d'hiver dans des endroits où elles pourront se reconstituer. C'est-à-dire dans des endroits où il y aura suffisamment de fourrage, dans des endroits où il y aura suffisamment de chevaux, dans des endroits où il y aura suffisamment de pain pour nourrir les soldats. Eh bien, les quartiers d'hiver ont une telle importance qu'ils deviennent des objectifs de campagne. C'est-à-dire que vous avez des campagnes, on va en prendre deux exemples, en 1635 et en 1644, où dès le mois d'août, on ne pense qu'à une seule chose, c'est prendre les meilleurs quartiers d'hiver qui soient et essayer d'empêcher les adversaires de prendre les, euh, ces quartiers. Et pour éviter l'adversaire de prendre des quartiers d'hiver avantageux, on mène une politique de terre brûlée. Et on a un des spécialistes de cette guerre-là, qui est euh, Turenne, qui va euh, appliquer là des méthodes qu'il reproduira ensuite euh, dans le Palatinat en 1673. Et euh, 74, c'est une guerre vraiment, une guerre à la logistique. Une guerre dont la logistique n'est plus le moyen ou le soutien, mais l'enjeu. Et euh, ça euh, nous donne un certain type de guerre que je voudrais essayer de, 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 de vous décrire et de vous montrer aujourd'hui. Donc, Faire campagne, c'est programmer des opérations en tenant compte du facteur logistique, voire en tenant compte de l'enjeu logistique qui, donc, dans certains cas, devient le point central nodal de la guerre. Ce qui constitue donc un défi pour l'État, et il me semble que étudier la guerre à l'échelle de la campagne, c'est bien précisément étudier la capacité de l'État à mener la guerre, à mener des opérations en fonction d'un objectif stratégique. Du coup, ça nous amène à mesurer, à réviser peut-être la façon dont on a mesuré l'impact de la guerre sur l'État. Cette mesure, on l'a souvent fait porter justement au niveau de la bataille. Alors, je ne suis pas en train de réfuter la pertinence de l'histoire bataille, évidemment. Je ne me renierai pas à ce point-là. Mais il est vrai qu'on a souvent accordé à la suite d'ailleurs des contemporains de l'importance au fait bataille parce que c'est sur la bataille que se construit la victoire c'est sur la bataille que se construit l'image du roi de guerre c'est la bataille que l'on célèbre à notre-dame-des-victoires que louis xiii fait ériger ben, euh, près, du, euh, près du palais cardinal donc, bien évidemment, la bataille, et dans certains cas, celle-ci a des effets stratégiques, a des effets décisifs, on croit à quelque chose de, de décisif, même si la bataille ne met pas fin à la guerre. Donc, évidemment, hein, ça, interroger la guerre à l'échelle de la bataille, ça a un sens, ça a une pertinence. Mais pour autant, pour la mise en jeu de euh, la capacité de l'État à mener la guerre, ce n'est pas forcément le bon niveau. La capacité à mener euh, campagne, en revanche, nous amène à considérer ce que la guerre coûte à l'État en termes financiers, mais aussi euh, en termes de euh, maîtrise de l'outil militaire et maîtrise aussi euh, du point de vue disciplinaire. Parce que là aussi, c'est à l'échelle de la campagne que l'on voit les troupes se débander, se défaire. Et aussi répandre la violence dans le dans le pays. Lorsque les soldats se mettent à piller, c'est parce qu'ils n'ont plus à manger. Donc là, c'est un défi pour l'État. Et de ce point de vue-là, le bilan, on va le voir, est plus contrasté, puisque autant Louis XIII peut effectivement célébrer dans l'église Notre-Dame des Victoires ses victoires, autant du point de vue de la capacité de l'État à surmonter l'épreuve de la guerre, et eh bien là, le bilan est beaucoup plus contrasté. Et lorsque, en 1659, on va le voir, Louis XIV, à bon droit, célèbre la victoire remportée sur l'Espagne par le traité des Pyrénées, et eh bien dans le même temps, un an après, il est obligé de prononcer une amnistie générale contre tous les crimes qui ont été commis par ces gens de guerre. Et on va voir, l'argumentaire qu'il utilise à ce moment-là est tout à fait révélateur. Là, c'est une certaine forme d'aveu d'impuissance. Alors, tout d'abord, ce que je voudrais euh, étudier, c'est euh, la théorie, telle qu'elle peut apparaître dans la page de titre de l'ouvrage que vous avez derrière moi, la théorie et la pratique de la guerre, qui intègre euh, totalement cette contrainte logistique et la, direction, la question de la direction des opérations à l'échelle de la campagne. Quand on regarde les théoriciens militaires, là j'en ai, ai pris un qui est, qui est assez révélateur, puisqu'il est moyen, c'est-à-dire que ce n'est pas un des grands auteurs, c'est un de ceux qui, alors il s'agit du Sieur de Pressac, donc qui publie, alors ça c'est la, la deuxième édition. Mais qui publie en 1622, ça c'est celle de 1622, la première date de 1612. Donc les discours, les discours militaires du sieur de Pressac. C'est un des premiers, il est quand même intéressant parce que c'est un des premiers français, si ce n'est le premier français, qui a diffusé en France le modèle du drill hollandais élaboré euh, par euh, Maurice de Nassau. Alors. On va le voir, il le fait de façon à peu près assez élémentaire. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si vous avez en tête les belles planches de Vallhausen de, de les belles planches de Jacob de Gaigne, ensuite qui seront reprises par Jacques de Lostelno. Bon, c'est des planches magnifiques. Chez lui, vous voyez, c'est des gravures sur bois hein, qui sont un petit peu grossières. Et puis, on ne décompose pas beaucoup. Hein. C'est les seuls hein, du, du livre qui, qui montrent la manœuvre de l'arquebuse et, et, et de la pique. Donc c'est très très élémentaire. On n'est pas dans le degré de raffinement qu'on trouve chez Wallahausen, qui publie à peu près à la même époque. Mais il est intéressant, notre Sieur de Pressac, parce que eh bien, euh, Pressac euh, s'intéresse finalement dans l'art de la guerre assez peu à cette phase, qui est la phase du combat. Parce que, comme tous les auteurs de son époque, il considère a priori que finalement, qu'est-ce que c'est que la tactique C'est de l'ordre, c'est-à-dire qu'il suffit que les soldats respectent un ordre de bataille et qu'ils s'y tiennent à cet ordonnancement géométrique pour considérer que l'efficacité, euh, d'une certaine façon, est, euh, comment dire, performative, c'est-à-dire que l'ordre Produit en soi de l'efficacité, et il suffit de le maintenir. Du coup, vous avez une réflexion tactique qui est quand même très très élémentaire. La tactique, c'est de la géométrie appliquée, tout simplement. Et donc, Présac est dans cette logique-là, et du coup, ça l'intéresse pas tellement de théoriser cet ordre géométrique. En revanche, Pressac nous dit :« La guerre, c'est trois choses. » Et là, c'est une sorte de lieu commun. D'autres auteurs le disent avant lui au XVIe siècle, et d'autres le disent après lui au XVIIe. La guerre, c'est marcher, loger, combattre. Marcher, loger, combattre. Ou marcher, camper, combattre. D'ailleurs, il y a un art de la guerre qui s'appelle une science de la guerre, qui s'appelle la science de la castramétation. La science de la castramétation, dont vous avez des traités d'ailleurs au XVIe siècle, inspirés du modèle romain, c'est l'art de camper, tout simplement. C'est l'art de camper et de construire un camp retranché avec le modèle des camps romains. Hein. Euh, que l'on connaît, euh, connaît bien. Et donc, le sieur de Pressac y consacre toute une partie très, euh, très importante. Et puis, euh, donc, lui, ce qui l'intéresse finalement, c'est pas tellement la partie combattre, c'est les autres, c'est marcher et camper. Alors, marcher, comment euh, comment est-ce qu'on marche Alors, Pressac nous le montre ici euh, il donne un. Un exemple qui est l'armée du marquis de Spinola lorsqu'il traversa la Frise pour aller assiéger euh, Lingen. Donc là, il nous montre le, le front de l'armée et euh, ici, il nous montre la façon de loger un régiment de six compagnies de euh, gens de pied. Donc ça, c'est la théorie, me direz-vous, mais de la théorie à la, à la pratique. Qu'est-ce que ça donne Eh bien, ça donne, par exemple, un manuscrit qui est conservé à la bibliothèque Sainte-Geneviève, et qui est euh, un manuscrit qui a été réalisé par Faber, le maréchal de Faber, qui raconte, alors qu'il n'était que sergent de bataille, euh, les campagnes menées par le cardinal de la Valette entre 1635 et 1639. Et donc, c'est vraiment ce, ce manuscrit, c'est l'ancêtre. D'un journal de marche et d'opération. C'est vraiment là, on y raconte les ordres de marche, les ordres de bataille, les dispositions réglementaires prises par le cardinal de La Valette. Et là, vous avez, par exemple, euh, l'ordre que Monseigneur de La Valette donne à l'armée. Nous sommes euh, à ce moment-là, c'est en Italie, hein, donc on est en 1639. Donc l'ordre qu'il donne à l'armée. Donc là, vous ne voyez pas très bien, parce que ce n'est pas très très bien passé à l'agrandissement. Donc vous avez premièrement, le premier paragraphe, c'est du rendez-vous. Deuxième, ensuite, vous voyez la deuxième rubrique, de la marche. Et là, vous voyez quand même déjà un certain nombre d'articles très très importants. Puis, vous voyez marche des bagages. Et ensuite, seulement, sur la page de droite, ce que, que l'on voit, le titre, c'est pour se mettre en bataille. Ça représente un petit morceau de texte. Et enfin, ensuite, on passe au logement. Et alors là, au logement, vous en avez ici euh, plus d'une page. Enfin, retranchement, garde du camp, pour la police et des fourrages. Donc vous voyez que là, c'est vraiment l'ordre que La valette a donné à son armée. C'est-à-dire que ce n'est pas de la théorie, là, hein. c'est vraiment... Eh bien, la valette, qu'est-ce qui l'intéresse C'est marcher, camper et faire la police. Alors, marcher, c'est une affaire compliquée, comme je vous le disais tout à l'heure, dans un contexte où les provinces que l'on traverse sont ravagées par la peste, par la disette. Et de toute façon, même en temps normal, vous traversez, il faut savoir qu'une armée au XVIIe siècle, par définition, elle traverse une province qui a toujours du mal à se nourrir elle-même. C'est-à-dire que la population est à peine autosuffisante en subsistance. Donc, dès qu'on fait arriver des soldats, eh bien, ils sont en trop. C'est des bouches en plus à nourrir. Vous avez des endroits, par exemple, tels que la Savoie. Il y a une thèse qui vient d'être soutenue à Paris 1 sur la logistique dans les vallées alpines du Duc de Savoie du duché de Savoie au XVIe siècle et au XVIIe siècle, soutenu par Julien Lirini, eh il montre que des vallées comme le Val d'Aoste, par exemple, eh bien, régulièrement, croyez-moi, le Val d'Aoste, hein, ça passe et ça repasse dans tous les sens, hein, des soldats, des, des Espagnols, des Français, etc. Il montre, par exemple, qu'entre 1624 et 1638, eh bien, tous les ans, il y a au moins un passage de troupes dans le Val d'Aoste, et parfois deux, voire trois. Là, Les Français qui passent dans un sens, puis dans un autre, puis ensuite c'est les Espagnols, etc. Bien, et eh bien régulièrement, il a calculé des taux, par exemple. Régulièrement, et eh bien la population double. C'est-à-dire vous avez un soldat pour un habitant. Donc ça veut dire que là il y a le double de bouche à nourrir. Donc j'y reviendrai sur cette sur cette contrainte. Donc euh, marché. C'est très difficile dans ce contexte-là. Ça veut donc dire que les armées doivent avoir un bagage quand même suffisant. Elles ne peuvent pas se contenter de vivre sur le pays. Parce que parfois, on arrive dans des pays qui sont ravagés. Et donc dans lesquels il n'y a rien à trouver. D'où l'art et la science d'organiser ce que l'on appelle le bagage. Vous avez ici un très joli manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale qui euh, est consacré, mais là d'ailleurs les illustrations que vous avez ne le sont pas exclusivement consacrées à ce sujet, le discours donc sur la conduite et l'emploi de l'artillerie où on a une idée et là c'est très, très évocateur hein, de ce qu'est un bagage. vous voyez sur le chariot d'en bas par exemple hein, les armures hein, qui sont, qui sont euh, euh, suspendues. Alors c'est vrai que c'est un manuscrit qui a un côté un petit peu normatif, qui présente une situation concrète. Là vous avez un, tiro... un, pardon, un chariot qui est tiré par euh, quatre chevaux et vous allez voir que dans un autre manuscrit vous avez quand même un train d'artillerie qui est un petit peu fastueux quand même parce que, et à chaque fois c'est deux chevaux hein, donc vous avez, j'ai calculé, hein, il y en a 26 26 chevaux pour tirer un canon c'est quand même là un déploiement de luxe, mais ce qui m'intéresse dans ce manuscrit justement c'est pas tellement la représentation enfin le nombre de chevaux mais c'est surtout que ça nous dit quelque chose de l'ordre de marche là vous avez l'artillerie qui occupe la route, enfin le chemin. Et euh, en effet, euh, c'est euh, l'artillerie, c'est ce qui est privilégié, euh, et donc euh, c'est euh, elle qui euh, avance sur les chemins, tandis que, on le voit bien ici, euh, la cavalerie, par exemple, elle avance en parallèle et coupe en, à travers champs quand c'est possible, hein, euh, et euh, on le voit euh, l'infanterie peut euh, elle aussi faire euh, faire de même ou rester euh, enfin et une partie accompagne l'artillerie sur euh, euh, le chemin. Il faut euh, pas oublier qu'on est au début du XVIIe siècle, hein, c'est-à-dire à un moment où les chemins, euh, le réseau des routes est encore quand même très très euh, euh, très très faible, où peu d'entre elles, euh, très très peu d'entre elles sont euh, sont pavées, et que euh, lorsque en saison de pluie, eh bien, vous avez des chevaux qui sont déjà passés avec tout le bagage, et eh bien après le chemin est quasiment, quasiment impraticable. D'où la nécessité souvent de faire voyager le bagage, quand c'est possible, hein, par voie d'eau. C'est une des raisons pour lesquelles, quand vous regardez le réseau des forteresses en Flandre et dans le Nord-Est, eh souvent ce réseau il est, il est structuré par le réseau hydrographique parce que les forteresses servant de magasins, on a besoin des voies d'eau pour acheminer le, le bagage. Ça nous donne, alors là aussi, vous avez un autre élément très, très, très intéressant, parce que ce n'est pas tout de transporter les canaux, mais il faut aussi transporter des forges, on en voit ici, des forges mobiles, et puis bien sûr tout, tout l'approvisionnement. C'est donc quand même, euh, alors là c'est quand même pour le cas là aussi hein, d'une armée euh, importante, puisqu'il est quand même euh, rare qu'on ait, euh, qu ait des forges de, de ce type-là euh, à, à disposition. Ça nous donne donc, par exemple, des ordres de marche tels que celui-ci, qui est l'ordre donné par euh, le cardinal de la Valette, toujours dans ce fameux manuscrit. Et euh, des ordres comme celui-ci, vous en avez régulièrement. Donc là où les régiments sont indiqués, où on vous signale, mais là je vois aussi que euh, ça ne passe pas très très bien, à l'agrandissement, enfin bon, on voit le bagage, on voit les différents types de régiments, etc. Donc il y a là vraiment un, un art militaire de la marche. L'idée étant que l'ordre de marche doit permettre en assez peu de temps, de passer à un ordre de bataille. C'est la même contrainte qui existe pour le campement. Camper, et quand on lit le règlement que je vous montrais tout à l'heure, euh, le règlement du cardinal de la Valette, camper est une affaire très compliquée. Loger, c'est compliqué. D'abord, on ne loge pas toujours de la même façon, dans la, en fonction de la situation. Si on est proche, Proximité d'un ennemi, on ne loge pas chez l'habitant, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'enfermer dans un village parce que on y perd. Alors, sauf si le village est fortifié, là on peut prendre appui euh, dessus, mais de toute façon le village n'est pas suffisant, donc il faut organiser un camp retranché, etc. Et lorsqu'une armée loge alors que l'ennemi est à proximité, elle se met en ordre de bataille, elle se Place hein, de façon à pouvoir recevoir l'attaque ennemie. Et ensuite, l'organisation du logement se fait très très progressivement parce qu'au moment où elle se désorganise pour longer, elle devient extrêmement euh, vulnérable. Donc l'organisation du logement, c'est un moment extrêmement sensible. On peut camper, c'est-à-dire loger à la Belle Étoile dans un camp retranché on peut loger euh, chez l'habitant. Et évidemment, le moment du logement, il devient déterminant, déterminant pendant le fameux quartier d'hiver. Et là aussi, vous avez différents types de logements. Bien sûr, l'idéal, comme le dit Simplicius Simplicissimus dans le livre de Wallhausen, loger dans une ville amie, c'est le paradis sur terre. Pour un soldat, il le dit, hein, c'est le paradis sur terre, c'est l'expression qu'il emploie. Bon, parce que là, on a à peu près euh, tout ce qu'il faut. En revanche, loger dans un village ennemi, eh bien là, c'est très, très compliqué, parce qu'on n'est pas toujours très, très, bien, pas très, très bien reçu, et puis parce que là, les conditions dans un village, on est mal nourri, etc., sont plus, sont plus compliquées. C'est justement pour prendre en charge cette affaire-là qu'une administration nouvelle se met en place, c'est. Alors en France, dans les années 30, elle existait de façon plus ponctuelle, elle existait par exemple en Savoie aussi, plus précocement, c'est l'administration de l'Étape. L'Étape, c'est organiser le logement des troupes. Alors, on organise deux choses. On organise l'approvisionnement lorsqu'on sait qu'une troupe va arriver dans un village ou dans un bourg ou dans une ville. On y organise des magasins de façon à ce que les soldats puissent s'y approvisionner en tout. Et on organise par ailleurs le logement, c'est-à-dire qu'on répartit les soldats en fonction, enfin, de chez, chez, chez les habitants. Et c'est précisément pour mettre en œuvre l'organisation de l'étape que Louis XIII et Richelieu systématisent à partir dès l'entrée en guerre, hein, dès 1635, systématisent le recours à un échelon administratif qui existait déjà, mais qui était utilisé de façon un petit peu aléatoire et surtout euh, conjoncturelle, qui est l'intendant. C'est dans les années 1635 hein, qu'on installe des intendants dans tout le, dans tout le royaume. Et leur mission première, première, c'est l'organisation de l'étape dans tout le royaume. Et il faut des pouvoirs généraux, il faut des pouvoirs de tout ordre pour organiser l'étape. Il faut des pouvoirs de justice, il faut des pouvoirs de finance, il faut des pouvoirs de police. Et c'est la fonction de l'intendant qui, euh, du coup, là, devient un personnage centrale dans euh, le développement de l'outil militaire. Ça, c'est un point que l'on... c'est peut-être tellement évident qu'on le dit peu, ou, enfin, je ne sais pas, je me l'explique assez mal. Un certain, beaucoup d'historiens militaires de la, du XVIIe siècle négligent l'échelle de l'intendant, or, c'est quand même un phénomène absolument central, qui est la prise de contrôle pouvoir militaire par le pouvoir civil. Et l'intendant, il intervient bien sûr avec un autre personnage que j'évoquais dans mon introduction, qui est le secrétaire d'État de la guerre. Le développement du pouvoir des secré du secrétaire d'État de la guerre avec les intendants, il ne faut pas oublier non plus que les intendants étaient placés sous la responsabilité de, des secrétaires d'État, et le secrétaire d'État de la guerre en particulier, avait la responsabilité sur les intendants des provinces frontières pas seulement mais essentiellement. donc là on a quand même deux éléments extrêmement forts qui suggèrent et qui sont les, les suggèrent la prise de contrôle de l'appareil militaire par le pouvoir civil et au même moment il ne faut pas oublier non plus que disparaît une grande charge militaire qui est la charge de connétable qui n'est pas renouvelé après la mort de son dernier titulaire, qui est le duc de Lédiguière, en 1626. Donc là, quand même, on voit quelque chose d'inédit c'est l'État organiser la circulation des troupes dans le royaume. Alors, on va, bien, on va voir que, évidemment, euh, tout n'est pas, pas parfait, loin de là, pour plusieurs raisons. Une d'entre elles, c'est que l'intendant, lorsqu'il doit euh, organiser un marché, lorsqu'il doit organiser pardon, des magasins, eh bien, il doit s'adresser euh, à des entrepreneurs euh, privés, à des commissionnaires, euh, bon, qui sont tous plus ou moins prévaricateurs. Euh, et puis, euh, il doit organiser le marché, tout simplement, un marché aux chevaux, un marché aux grains, etc. Et il n'a pas toujours. Euh, l'autorité et surtout les moyens suffisants pour le faire. L'intendant c'est un homme quasiment seul, dire que on envoie des intendants, mais il n'y a pas d'administration qui va avec, c'est-à-dire que l'intendant il a pour l'aider quatre ou cinq commis, bon après ça s'étoffe un petit peu, on arrive à une dizaine et deux ou trois subdélégués. Voilà ce que c'est qu'un intendant. Donc c'est un homme qui a, qui, comme le disait l'avis, et le roi présent dans la province. Une sorte de préfet, en effet, qui a des pouvoirs extrêmement larges, mais qui a très très peu de moyens. Donc, on va le voir, hein, l'action des intendants laisse à désirer, mais malgré tout, il faut relever hein, que euh, elle, elle se met en place. Elle se met en place, je vous le disais, de façon plus précoce, par exemple en Savoie, la Savoie étant un, un lieu de passage. Euh, étant dans une situation géostratégique absolument centrale, puisque c'est de la Savoie que dépend la route espagnole, hein, la fameuse route espagnole, c'est de la Savoie aussi que dépend la possibilité pour la France d'intervenir en Italie. Donc, bon, euh, <coughs> la, la, la neutralité au minimum de, de la Savoie est, est, est souvent un élément, et ce, un élément important. Et ce que l'on voit, c'est qu'en effet, euh, la Savoie. Très, très tôt dès le 16e siècle organise l'étape des troupes étrangères qui traversent les vallées alpines et négocie l'organisation de l'étape avec les puissances étrangères quel que soit d'ailleurs le statut de la Savoie dans la guerre c'est-à-dire que sans que elle soit alliée de l'un ou de l'autre bien même lorsqu'elle est neutre et bien elle négocie et même lorsqu'elle est en situation de conflit entre, avec la France par exemple, eh bien il y a toujours une négociation qui est menée d'État à État pour organiser l'étape, pour une raison qui est très simple c'est que ni les Français ni les Espagnols ne peuvent se permettre le luxe de ravager les vallées savoyardes parce qu'ils savent pertinemment bien que s'ils la ravagent à l'aller, il n'y aura plus rien au retour. Donc la Savoie est ménagée d'une certaine façon. Et de ce point de vue-là, on peut comparer le sort des deux duchés qui sont quand même au cœur des hostilités pendant la guerre de 30 ans. La Lorraine et la Savoie, c'est pas du tout la même histoire. C'est-à-dire que autant la Savoie est ménagée parce que quoi qu'il arrive, on sait qu'on en aura toujours besoin, autant la Lorraine, qui elle est un enjeu. Alors, je parle indistinctement de la Lorraine ducale et de la Lorraine royale, hein, mais on verra d'ailleurs la, la, la différence entre les deux. Mais là, elle est un enjeu. La Lorraine, elle est occupée, hein, et c'est ce qui a donné les fameuses misères et malheurs de la guerre de Jacques Callot, hein, qui décrit hein, en 1633 l'occupation de la Lorraine par les, par les Français. Donc, voyez l'enjeu de la marche et du logement. Maintenant, Faire campagne, c'est aussi combattre, évidemment. Alors, à l'échelle de la campagne, comment est-ce que l'on combat Quel type d'action est-ce que l'on voit Bien. Il y a, je dirais, de façon très très classique, et sans, sans surprendre personne, il y a des batailles, il y a des sièges, et puis il y a tout le reste. Et c'est sur tout le reste, moi, que je voudrais euh, m'arrêter. Alors, bien sûr, la bataille existe, mais les grandes batailles, bon, sont assez rares parce qu'il est rare qu'à cette époque, on risque euh, tout dans une bataille. Bon, il y en a certaines qu'on qu connaît, hein, euh, la Montagne Blanche, euh, Lutzen, euh, bon, etc., euh, Rocroix, bien sûr, etc. Il y en a quelques-unes, mais elles sont quand même relativement rares. En revanche, ce qui existe beaucoup et très fréquemment, et qui a été peu souvent souligné, c'est des batailles limitées. Où on engage quelques centaines, quelques milliers d'hommes. Ça peut être des combats de cavalerie à cavalerie, des combats entre une arrière-garde et une avant-garde, etc. Et des, des, des affaires comme celle-ci, eh bien, il y en a de très nombreuses. Les armées, les batailles générales, lorsqu'elles surviennent, malgré tout, sont encore quand même mobilise encore des effectifs relativement limités. C'est 20 000, 30 000 de chaque côté et rarement plus. On n'est pas encore dans les échelles qu'on observera au XVIIIe siècle. Les sièges. Eh bien, les sièges, je dirais la même chose que pour les batailles. Il y a les grands sièges, ceux qu'on connaît, gravelines, lance, etc. Et puis il y a une infinité de petits sièges. Lorsqu'il s'agit de prendre un village fortifié, lorsqu'il s'agit de prendre une ville mal défendue, c'est des sièges qui durent quelques jours, et, et, et qui d'ailleurs, c'est des villes ou des lieux ou des places qui tombent au premier assaut. Eh bien ça, c'est le quotidien des soldats. C'est ça qu'ils connaissent. Et bien sûr, les quelques grands sièges qu'ils ont vécus, bien sûr. Euh, ils le retiennent, mais euh, l'activité quotidienne, elle est faite de ces petites opérations. Et puis donc, il y a euh, l'entre-deux. Alors, l'entre-deux, on a un petit peu de mal, hein, c'est ce qu'on pourrait. C'est la, la guerre grise, d'une certaine façon. Et euh, on hésite à la qualifier de petite guerre. D'abord, parce que euh, ce n'est pas encore comme ça qu'on l'appelle, on parle de guerre de parti à ce moment-là. Mais même l'expression de guerre de parti qui est utilisée euh, à cette époque n'est pas très très euh, appropriée. C'est une guerre où justement on retrouve de toutes les opérations euh, reconnaissance, harcèlement, euh, raids, coups de main, euh, guerre de poste, etc. Bon, là, ça relève effectivement de la guerre de parti. Mais vous avez parfois ce que l'on appelle un parti, notamment, on en parlera autour de Metz euh, plusieurs fois vous avez des parties croates ben les parties croates c'est 2000 ou 4000 cavaliers quand même donc là euh, vous voyez euh, on n'est on plus tout à fait dans la petite guerre hein, on, est, on est plutôt dans la, euh, dans la grande et bien ces opérations là où vous avez des engagements qui sont quasi quotidiens qui sont en tout cas très très réguliers ça aussi, ça fait le quotidien d'un soldat. Et finalement, à l'échelle d'une campagne où, dans les annales militaires, vous voyez un siège majeur et une bataille majeure, on se dit entre-temps, ils n'ont pas fait grand-chose. Les soldats ont passé leur temps à se battre, en tout cas, ont passé leur temps en alerte. Et quand on lit les mémoires, ça on le voit très très bien les mémoires, ils sont. les mémoires militaires, hein sont faits de ces récits de micro-événements. Il euh, y a une partie du bagage qui est attaquée par un parti ennemi, ils viennent, ils pillent, ils s'en vont. Il y a euh, une, des, soldats, des soldats isolés qui se font attaquer éventuellement, pourquoi pas d'ailleurs, par des paysans, etc. Cette petite guerre, donc, enfin, bon, appelons-la euh, comme ça. Eh bien, euh, elle joue un rôle fondamental dans, euh, dans, euh, dans, ce, dans ces campagnes. C'est elle qui les rythme, et je dirais que c'est elle qui assure le lien. C'est-à-dire entre le siège, entre eux et la grande bataille, etc., eh bien, le lien, il est fait par ces petites opérations. Et donc, si on rassemble tout ça, et en tout cas, vous l'avez bien compris, il est absurde d'opposer guerre de siège et guerre de campagne. Ça n'a aucun sens. Ce ne sont pas deux essences différentes de la guerre. On ne fait pas l'une ou l'autre. On lit parfois euh, bon, que Louis XIV préférait faire la guerre de siège. Et Louis XIV ne préférait pas faire la guerre de siège. Louis XIV menait la guerre. Et il se trouve que pour mener la guerre, il fallait faire des sièges. Mais euh, entre-temps, euh, enfin, ces sièges-là, ils s'inséraient dans des campagnes, dans un plan plus large. On ne prend pas une ville pour le plaisir de prendre la ville, évidemment. Donc, il n'y a pas deux essences différentes de la guerre. Et il y a des opérations de type différent qui se combinent et qui n'ont de, de sens que par rapport à un plan de campagne. Alors, ça nous donne... Quel type de guerre Comment essayer de caractériser cette guerre C'est une guerre, ben d'abord, qui a eu ses héros. Turenne, que j'évoquais, Gassion, Gallas, du côté impérial, Merci, Wallenstein, euh, Bernard de Saxe-Weimar, etc. Et un peu plus tard, euh, Montecucoli, par exemple. Prenons par exemple deux... Deux héros pour lesquels j'ai une petite tendresse de cette guerre. Le premier, c'est Gassion. Alors, maréchal de France, en 1643, c'est un, un des acteurs majeurs de Rocroi. Hein Certains disent que même Rocroi, c'est lui. Ce n'est pas, pas Condé, hein c'est Gassion qui lance l'initiative de la manœuvre qui permet de, de contourner les, les tercios espagnols. Peu importe. Dans l'histoire de Gassion, telle qu'elle est racontée par ses biographes, à l'époque, évidemment... Hein et l'un d'entre eux est l'abbé de Pur, un abbé, hein, un vrai abbé, bien que Gassion ait été calviniste, hein, l'abbé de Pur en 1673 publie une vie de Gassion. Et l'abbé de Pur raconte justement comment Gassion, au début de la guerre, donc, il a eu une petite carrière militaire avant, hein, puisqu'il était au service, alors d'abord il a commencé par faire le coup de feu dans l'armée d'Henri de, de Rouen, hein, contre, contre Louis XIII, hein, puis... Il y a eu la paix d'Alès, hein, et ensuite il est passé au service de Gustave Adolphe, et c'est seulement en 1635 qu'il est entré au service de la France, et je dis bien au service de la France, c'est-à-dire on dit ça des soldats étrangers. Or, Gation, son régiment, il a un statut de régiment étranger. Hein, il est colonel de son régiment, et non pas maître de camp, c'est-à-dire qu'on le considère comme le maître d'un euh, corps, et euh, il a des privilèges qui sont ceux des des colonels de la cavalerie étrangère. Et donc Gation, en 1635, enfin entre 35 et 39, il se fait connaître, il acquiert de la réputation justement en tant que maître, en tant que passé maître dans l'art de cette guerre de partis. Je cite La bête pure qui raconte une opération menée par Gation. Il dit, ce premier succès de sa campagne fit beaucoup de bruit à la cour mais celui qui le suivit pourtant encore plus loin sa gloire son exemple semblait avoir éveillé la noblesse et la bravoure tout se remua dans le camp et chacun demanda d'aller en partie yassion est celui qui finalement introduit dans la cavalerie française ce goût de la guerre de parti, de la chevauchée qui n'était absolument pas présent dans la culture militaire de la cavalerie française et d'ailleurs Gassion le dit lui-même en tout cas c'est l'abbé de Pur qui lui prête cette déclaration qu'il avait envie, je cite de donner une bataille car je suis sous de retraite et de petite guerre c'est ce qui est prêté à Gassion et en effet Gassion qui a servi sous Gustave Adolphe Gassion qui a dans son régiment beaucoup à partir de 1638 et 39 surtout il réintègre dans son régiment beaucoup d'officiers de la cavalerie allemande de Bernard de Saxe-Weimar, qui, eux, justement, avaient une autre culture de la guerre à cheval, et qui ont, en quelque sorte, appris aux cavaliers français cet art de la petite guerre qui est fait de harcèlement et qui, évidemment, est en rupture complète avec la culture. Chevaleresque de la charge en haie et à la lance à laquelle était habituée la chevalerie puis la cavalerie française. Et donc Gassion devient un de ceux qui apprennent et qui euh, pratiquent, qui apprennent aux Français à pratiquer cette guerre. Et l'autre, évidemment, c'est Turenne. Turenne, c'est cette guerre-là qu'il mène. Sauf que la différence entre Gassion et Turenne c'est que Turenne l'apporte à une échelle supérieure. C'est-à-dire que Gassion, c'est l'homme des coups de main, c'est un soldat courageux, audacieux, etc. Turenne, lui, il élabore une véritable méthode, une pratique de la guerre que Jean Béranger, dans sa biographie de Turenne, qualifie de style indirect. Alors, bien sûr, la notion, bien sûr, est une sorte d'anachronisme, mais elle est assez valable. Turenne se caractérise en effet par cette capacité, d'abord à manœuvrer, ensuite à manœuvrer à l'échelle de la campagne, à manœuvrer en ayant comme objectif de couper les lignes logistiques de l'ennemi, ce qu'il fait par exemple. Et ce qu'il raconte dans ses mémoires, lorsqu'il fait le bilan de la bataille de Nordlingen, remportée sur les impériaux en 1645. C'est Condé qui a remporté la victoire, mais Turenne commande l'aile gauche. Et Turenne nous dit que cette bataille est survenue après, je cite, après avoir dans la même année ruiné l'armée de l'empereur que commandait le général Gallas dans divers combats. Et dans une suite de conduites si bien tentées et qui provient d'une grande expérience accompagnée d'un grand courage et d'un grand jugement, que cela doit non seulement être à comparer, mais mesure surpasser le gain d'une autre bataille. Ça veut donc dire que mener cette guerre indirecte à la ressource, à la logistique, cette guerre de manœuvre qui prend l'ennemi à revers, etc., eh bien, cette guerre-là, Vaut le gain d'une bataille. De fait, finalement, la réputation de Turenne est assez peu associée à des gains de bataille. Il y a les dunes, et puis bien sûr, il y a Salzbach euh, euh, et la fameuse, euh, la fameuse manœuvre. Mais Turenne, il est l'homme de cette guerre. Il est l'homme qui sait mener campagne et. Qui pratique une guerre qui intègre totalement la contrainte logistique et en particulier, il se fait une spécialité justement de la course aux quartiers d'hiver. C'est-à-dire ce qu'il sait parfaitement bien faire, c'est devancer les ennemis pour prendre des meilleurs quartiers d'hiver qu'eux et pour les en priver. Et ce n'est pas un hasard si notre Turène en 1673, on le voit ravager le Palatina. Pourquoi Parce qu'il sait l'importance qu'a la capacité pour une armée de loger dans une région prospère. Et c'est pour anticiper cela qu'il se livre à la dévastation du Palatinat. Alors, bien sûr, cette guerre, euh, c'est une guerre qui pèse très, très lourdement sur les populations. À l'échelle de la campagne, c'est là que se mesure le rapport entre. La guerre et les populations civiles. Ce n'est pas au moment de la bataille où, justement, par définition, pour l'essentiel, les civils sont, euh, sont absents. Mais dès lors qu'on réfléchit à l'échelle de la campagne, ça nous oblige à prendre en compte les populations civiles. Pour elles, la réalité de la guerre, c'est ça. Les Savoyards, dont je vous parlais tout à l'heure, ils ne voient jamais de combat. En revanche, des soldats, ils en voient passer dans tous les sens. Et en Lorraine, eh bien, euh, alors eux, ils ont droit à tout. C'est-à-dire ils ont droit au combat et aux, euh, aux destructions. Mais c'est aussi cette guerre qui épuise les soldats. Dire que mener campagne, c'est ça qui fait que les soldats désertent. Ce n'est pas la violence paroxystique, de, euh, aussi paroxystique soit-elle, de la bataille qui fait déserter les soldats. C'est la dureté de la campagne. Et c'est ce qui est éprouvé, par exemple, je le disais, par la Lorraine, et par un personnage qui s'appelle Cornier. Alors Cornier, c'est un personnage intéressant, c'est en quelque sorte le délégué de Metz auprès du roi de France donc Metz étant sous la souveraineté française, hein, avec les deux autres évêchés, tous les Verduns. Et en fait, toutes les villes d'importance et toutes les provinces ont leur correspondant à la cour. Et Cornier, c'est celui qui négocie pour Metz le poids de la guerre auprès du pouvoir royal. C'est lui, par exemple, qui va négocier le nombre de soldats qu'on va devoir loger à Metz. C'est lui qui négocie d'une certaine façon les plans de campagne. Et voilà ce que Cornier écrit en octobre 1644 au magistrat. Le magistrat, c'est le corps de ville de Metz. Hein les conquêtes qui se font avec rapidité en Allemagne sont apparemment avantageuses pour la France. Et je prie le bon Dieu qu'on les mène jusqu'au bout. Mais vous devez croire aussi que tant de nos dessins regardent ces contrées-là, la pauvre Lorraine, les villes, les évêchés et pays de Metz, tous les Verduns, tant pardon, aussi que, ton, oui c'est ça, seront continuellement exposés au passage et repassage des armées, ce qui ne se pourra jamais faire qu'à votre détriment et si j'ose dire votre ruine. Là, c'est donc un messin qui écrit à Metz, et la ruine, elle n'est pas provoquée par les ennemis, hein, elle est provoquée par les soldats français. Ce que donne... Ce type de guerre maintenant pour les soldats, et eh bien c'est le journal de Faber qui nous le raconte. Juste un extrait, vous allez voir, tout est dit. Donc Faber raconte, là on est en 1635, justement en Lorraine, près de Metz. Le mardi 25 septembre 1635, l'armée partit dès la minuit sur la vie que l'on eut de l'approche des ennemis. A cause du manque de pain, on laissa dix pièces de canon que l'on fit enterrer dans un fossé. Les chevaux ne pouvant plus tirer, les cravates, c'est-à-dire les croates, étant toujours à l'arrière-garde et tuant tous les malades et autres qui demeuraient derrière. L'armée ne campa pas ce soir, mais marcha toute la nuit, comme elle avait fait tout le jour, brûlant tous les villages par où l'on passait, tant pour ôter le moyen aux ennemis de nous suivre que pour empêcher les soldats las et harassés de demeurer dedans. Monseigneur le cardinal de La Valette dormit sous un arbre environ trois quarts d'heure ou une heure pendant une halte, puis marcha avec toute l'armée. Voilà. Et quand on lit le récit de la campagne, le, les récits des campagnes qui se suivent, ça n'est que ça. C'est-à-dire, un coup, on jette les canons dans un étang parce qu'on ne peut plus les tirer. Euh, un coup, effectivement et régulièrement, on brûle tout sur son passage pour ne rien laisser aux poursuivants, etc. Alors, euh, vous le comprenez bien, euh, cette façon de faire la guerre euh, épuise... Alors là, c'est un exemple... Hein, bon, allez, je... je là, c'est toujours dans ce même manuscrit. C'est un état des effectifs, un état au vrai des effectifs de quelques régiments d'infanterie. Alors ça, c'est très intéressant hein, pour ceux... Pour trancher, alors vous allez voir que c'est difficile à trancher, le débat de savoir quelle était la proportion des piquiers et des arquebusiers dans les unités d'infanterie à ce moment-là. Donc là, vous avez une liste des régiments avec le nombre des piquiers et des arquebusiers. Bon, bah ben, vous avez de tout. vous avez des régiments, vous avez 150 piquiers et 300 arquebusiers, d'autres c'est totalement l'inverse, etc. Et au bout du compte, d'ailleurs, si on fait quand on, a, quand on fait la somme des deux colonnes, vous avez 3500 contre 2980, donc ça s'équilibre à peu près. Il y a à peu près autant de piquets que d'arquebusiers dans l'armée, seulement dans chaque régiment, les proportions sont, enfin bon, varient, varient à l'infini. Parce que c'est comme ça qu'on fait. Quand on a une armée, d'abord, dont les règlements euh, bon, sont respectés de façon un petit peu aléatoire, mais surtout dont les effectifs varient considérablement au, au, au gré de la campagne, parce qu'on n'arrive pas à garder euh, tout le monde. Alors, pour, pour terminer, la question évidemment du poids de cette guerre sur les populations civiles. Comme je le disais, hein, étudier la guerre à l'échelle de la campagne, c'est bien euh, saisir cette, cet aspect des choses. Alors, on a bien sûr l'image que tout le monde connaît, Jacques Callot, la destruction, le pillage, le village qui brûle. Bon, ce n'est pas, pas une invention de Jacques Callot, vous avez vu dans l'extrait que je vous ai lu, ça ressemble à quelque chose comme ça. Bien. Pour autant, pour autant, il ne faut pas non plus considérer que la guerre n'est que ça. Si ça n'est que ça... À ce moment-là, là, bon, après ça, si ça n'est que ça, il n'y a même pas de résilience possible. Enfin, cela dit, il y a eu des parties de la Lorraine où il n'y a pas eu de résilience. C'est-à-dire vous avez des parties qui sont désertées. Il n'y a plus personne dans certains, certains endroits. Mais il y a un point qui est très important et sur lequel je voudrais m'arrêter. C'est que malgré tout, même pendant la guerre de 30 ans, la guerre se négocie. Le poids de la guerre se négocie. Je citais tout à l'heure, alors bien sûr ils sont dans une situation particulière, le duché de Savoie. Le poids de la guerre, il se négocie à tous les niveaux, il se négocie d'État à État. Donc le duché de Savoie, avec la France, on négocie le nombre, la nourriture, les munitions que l'occupé va fournir à l'occupant. C'est contractuel. Mais le poids de la guerre se négocie aussi de la communauté à l'État. C'est-à-dire que le duché de Savoie, qui a négocié avec l'Espagne ou avec la France sa contribution, c'est le cas de le dire, et eh bien ensuite se retourne vers les communautés et négocie avec elles, c'est-à-dire les forces à fournir, bien sûr, ce qui est nécessaire, mais en échange d'exemptions fiscales, en échange de privilèges. Et puis, lorsque les soldats sont passés, vous avez, ça dépend, le nom qu'ils portent varie, vous avez le syndic du village qui se retourne vers l'État en disant Nous devions fournir trois vaches, on nous en a pris quatre. Donc il va falloir nous, rendre une, nous restituer une vache d'une façon ou d'une autre. Le poids de la guerre est considérablement, euh, alors, non pas euh, atténué, mais en tout cas euh, ajusté. Voilà. Et dans les relations entre. Le roi de France et les communautés qui sont assujetties au poids de la guerre, on retrouve cette négociation entre le roi et Metz. C'est ce qu'a très bien montré Martial Gantelet dans un livre paru récemment, hein, qui s'appelle L'absolutisme au miroir de la guerre ou à l'épreuve de la guerre, je ne sais plus, qui montre comment Metz négocie en permanence le poids de la guerre. Je vais vous donner un exemple. Un exemple très particulier qui est raconté par Jean Baucher, qui est un. Un, un mémorialiste, un bourgeois, euh, messin, euh, qui raconte la guerre, de, euh, la guerre de 30 ans. Et voilà ce qu'il nous dit. Il parle de Magalotti, donc il l'appelle Magalotin. Magalotti, c'est un chef de guerre, ami de Mazarin d'ailleurs, italien, qui fait la guerre pour le compte de la France. Le 1er novembre 1644, fête de tous les saints, Magalotin délogea de ses quartiers ceux de Lori, de Metz, village autant renommé qui fut en ce temps. Tant pour les biens qui étaient dedans, qui n'avaient fui à la ville, entendant le bruit qui courait que Magalotin décochait de son quartier, allèrent au devant de lui, en son hôtellerie, assister du sieur de Gravelotte, l'un de leurs jeunes seigneurs, et lui offrir argent et vin, en impestrant sauvegarde de lui, lui remontrant en avoir déjà une de monsieur de Monseigneur le Duc d'enghien lorsqu'il passa pour s'en aller en Allemagne, et s'il lui plaisait, le conserver et en avoir une de sa main, qui lui serait grandement obligé en la payant. Que font nos euh, bourgeois de Lori Ils vont voir donc ce chef de guerre et négocier avec lui une sauvegarde, c'est-à-dire ils l'achètent. Et on sait en effet que Metz achetait des sauvegardes à tous les niveaux. Euh, à tous les niveaux. Alors, c'était une façon bien sûr de se soumettre aux contributions. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la sauvegarde, elle est négociée avec Magalotti, qui est au service du roi de France, et avec le prince de Condé, qui bon, est encore à ce moment-là au service du, du roi de France. Et donc voilà comment une ville du royaume, quand même, hein, sous la souveraineté du roi, on arrive à négocier elle-même le, le poids de la guerre. Malgré tout, ces années-là, et en particulier aussi avec la fronde, guerre civile, ces années-là sont on le voit un moment où la guerre a totalement envahi l'espace civil. Et précisément, je crois que une fois de plus, analyser la guerre à l'échelle de la campagne, c'est bien en prendre conscience. C'est bien prendre conscience du fait que la guerre, ça n'est pas seulement un affrontement entre soldats qui se résout par des batailles ou par des sièges. C'est quelque chose qui dans ces années-là est devenue une réalité quotidienne, et pas seulement pour les provinces frontières, la Picardie, la Lorraine, etc. Il ne faut pas perdre de vue que les armées parcourent le pays dans tous les sens et dans tous les espaces, car les quartiers divers, j'y reviens, on ne les prend pas seulement sur la frontière, on ne pourrait pas nourrir toutes les populations, et surtout on ne pourrait pas nourrir tous les chevaux. Donc les régiments, pardon, les régiments de cavalerie, par exemple, prennent leurs quartiers d'hiver dans le Limousin, en Bretagne. Et une fois que les quartiers d'hiver sont terminés, eh bien, on retraverse le royaume dans l'autre sens. Donc la réalité de la guerre, elle est connue de tous. Et quand vous ajoutez à cela la Fronde, qui est une guerre civile, mais qui est une guerre civile provoquée par quoi? Elle est provoquée par la charge fiscale qui elle-même est provoquée par la guerre, c'est-à-dire que la Fronde est la conséquence immédiate de la guerre extérieure. Et pour vous en donner une idée, Louis XIV, notre roi soleil, victorieux, qui donc impose à l'Espagne le traité des Pyrénées, bien, Louis XIV, comme je vous le disais en introduction, signe en 1660, un texte d'amnistie générale en novembre. C'est une déclaration que je cite Déclaration portant pardon et abolition en faveur de ceux des troupes qui ont commis des excès et désordres durant la guerre et des habitants de la frontière et des provinces du royaume où les dix gens de guerre ont passé, logé et séjourné. Dans ce texte, donc, Louis XIV rappelle les excès commis, je cite, « par les gens de guerre dans les lieux où ils ont eu à passer, loger, morder et ces journées, dans lesquels ils ont battu et excédé des habitants pour les obliger à donner de l'argent ou des vivres, dont quelques-uns en sont décédés, pris et enlevé leurs bestiaux, emporté leurs meubles, abattu leurs maisons et commis plusieurs autres désordres. » Donc là, c'est du Jacques Calot, si vous voulez, hein mais ça, c'est Louis XIV qui parle. Mais pour aller encore plus loin, on a vraiment Louis XIV. On a, on a vraiment l'impression que là, Louis XIV commente Jacques Callot, c'est-à-dire que part, alors ça, c'est le roi qui fait justice. Alors ça, justement, <laughs> c'est pas cette partie-là qu'il assume. En revanche, Louis XIV commente quasiment cette image qui est toujours de Jacques Callot et qu'on intitule la vengeance des paysans. C'est l'embuscade. Tendu par des paysans contre les soldats qui ont fait toutes ces. Et Louis XIV en parle. Enfin, il ne parle pas explicitement, bien sûr, de cette image, mais il parle de la réalité. Le roi rappelle, dans sa déclaration, la réaction des habitants qui, je cite, avaient pris les armes et commis plusieurs rébellions et voies de fait contre nos dix gens de guerre qu'ils ont chargés, blessés ou tués. Et. En conclusion de tout cela, Louis XIV offre son pardon à tous, c'est-à-dire aux soldats qui ont détruit et aux paysans qui se sont vengés sur les soldats qui avaient détruit. Avec cette justification, c'est Louis XIV, le roi Soleil, qui parle. Comme nous savons que les désordres commis par nos gens de guerre n'ont procédé pour la plupart que du manquement de leur paiement, il n'a pas été au pouvoir des chefs et officiers qui les commandaient de les contenir dans la discipline. Excusez-moi, hein, <laughs> mes soldats ont tout ravagé, mais bon, c'est de ma faute. Donc, les habitants excédés, et ça continue, hein, les habitants donc excédés euh, sont aussi, donc, comme je vous le disais, associés à ce pardon, car, nous dit Louis XIV, leur révolte donc, a été provoquée par la nécessité, je cite la nécessité de sauver leurs biens afin de satisfaire au paiement des deniers de nos tailles. C'est quand même extraordinaire que là, le roi justifie la rébellion par la nécessité de payer l'impôt. La conclusion adoptée par Louis XIV est donc d'amnistier tout le monde et d'ordonner, je cite, et là les spécialistes des guerres de religion et de l'édit de Nantes apprécieront la référence il ordonne que la mémoire en soit à jamais éteinte supprimée et abolie et que tout et que le tout demeure comme non advenu c'est une des clauses de l'édit de Nantes qui met fin aux guerres enfin qui est censé mettre fin aux guerres de religion c'est un édit qui met en effet fin typique c'est une disposition qui met fin à une guerre civile ça or nous sommes en 1660 la Fronde est terminée depuis longtemps c'est donc un édit qui survient après la fin d'une guerre étrangère mais qui règle la question exactement de la même façon qu'une guerre civile. De sorte que en effet, si on repose cette grande question classique du rapport entre war making and state making pour reprendre l'expression de Charles Tilly. Où est-ce qu'on en est à ce moment-là c'est-à-dire, est-ce que la guerre a fait l'État Alors, les historiens débattent, et débattent beaucoup. Les historiens plutôt français, spécialistes de Richelieu, de Louvois, etc., ont effectivement un petit peu développé la légende dorée d'un État qui se construit dans la guerre. Et puis les historiens anglais, hein, comme toujours, hein, ils aiment bien chercher chercher la bagarre, disent, mais finalement, regardez, qu'est-ce que c'est que l'État en France au XVIIe siècle C'est euh, du compromis en permanence, c'est de la négociation, c'est notamment ce qu'explique David Parrot dans, euh, dans deux de ses livres, le premier qui s'appelle Richelieu's Army, et le deuxième dans The Business of War, dans lequel David Parotte bah, dit, mais finalement, l'incapacité de l'État à prendre en charge l'armée est telle que au lieu d'un État, omnipotent, omniprésent, qu'est-ce qu'on a On a un État qui passe son temps à négocier. Il passe son temps à négocier parce que euh, il doit en, en permanence négocier avec des intérêts privés, avec des intérêts particuliers, avec les communautés, avec les militaires, qui sont tous régis par le système de l'entreprise. Il ne faut jamais oublier qu'un capitaine c'est un chef de guerre. Hein Donc l'État passe son temps à négocier. Et euh, par conséquent, nous dit David Parrot, bah, l'idée un petit peu obscène hein, de la construction de l'État dans la guerre, eh bien n'est pas tout à fait pertinente. Bon, c'est pas ce soir qu'on va trancher ce débat qui est, qui, est, qui est très long. Ce que je serais tenté de dire, c'est peut-être mon côté irénique et donc d'essayer de vouloir réconcilier tout le monde, mais je dirais que l'un n'empêche pas l'autre. D'abord, un État qui négocie, ça n'a rien d'extraordinaire. Même Frédéric II négocie en Prusse au XVIIIe siècle. Est il est de l'essence même de la puissance publique, sauf si on se réfère à un modèle de la souveraineté absolue, enfin, qui n'existe que dans les livres et encore. Il est de l'essence même de la puissance publique de négocier, évidemment. Donc, je crois qu'il n'y a rien d'extraordinaire à voir euh, la négociation s'introduire. Ce qu'il faut malgré tout retenir, c'est que... Il y a malgré tout une administration de l'État, alors certes qui euh, ne fonctionne pas autant qu'elle voudrait, mais qui n'existait pas auparavant. Il y a un secrétaire d'État de la guerre qui n'existait pas auparavant ou si peu, et des intendants qui n'existaient pas auparavant ou si peu. Et ceux-ci, bien sûr, servent le roi, mais dans un compromis permanent. C'est le contraire qui serait surprenant. Et donc, je pense malgré tout, en effet, que... Le pouvoir de l'État s'est développé pendant cette période, sauf qu'il euh, s'est développé dans une tension extraordinaire, tension extraordinaire que la France a surmontée, alors que l'Espagne, par exemple, ne l'a pas surmontée. C'est-à-dire que la négociation, par exemple, à laquelle le roi d'Espagne a été obligé, négociation avec les intérêts privés, négociation avec les grands, négociation avec les provinces, négociation. Bon, avec toutes les puissances particulières qui existent en Espagne, ont tué la capacité militaire espagnole, et en particulier à cause de l'incapacité du roi à créer un système fiscal capable de supporter l'effort de guerre. Et surtout capable. Je suis en train de m'engager dans un débat, peut-être un petit peu. En tout cas, incapacité du roi d'Espagne à créer un système fiscal suffisamment solide pour garantir le crédit. Vous savez qu'il ce a pas, c'est pas, pas, pas l'un ou l'autre, c'est pas le crédit ou l'impôt, hein, c'est les deux, parce que les deux se soutiennent mutuellement. C'est ce que n'arrive pas à faire le roi d'Espagne et la monarchie espagnole s'écroule, elle s'écroule et elle disparaît militairement en tout cas. C'est la négociation qui lui est fatale, est à dire que alors que le roi de France Bon, est dans une situation en 1659-1660 qui, malgré tout, lui a permis de surmonter cette épreuve, alors au prix d'un déni de justice, au prix de ce renoncement à faire régner la justice, au prix de cette déclaration qu'on a vue tout à l'heure, mais malgré tout, dès 1661 et la mort de Mazarin, Louis XIV va s'engager dans la construction d'un outil militaire même là dont on peut dire qu'il est de moins en moins négocié. Il l'est toujours, mais il l'est de moins en moins. Je n'avais pas prévu de, de, de faire cette digression à la fin, mais voilà ce que je voulais dire. Faire campagne pendant la guerre de 30 ans, c'est donc, comme vous l'avez compris, s'obliger à décentrer son regard, à aller au-delà de la bataille, même si celle-ci, évidemment, a de l'intérêt, et mesurer la guerre et les effets de la guerre à plusieurs échelles, et en particulier l'une de ces échelles me paraît être très intéressante, c'est l'échelle du rapport entre le militaire et le civil. Bien. <laughs> que dire de plus euh, Oui, ben, je pense que tout a été dit, effectivement, hors or le... La relance d'un éventuel débat avec nos amis anglais. Euh, C'est un <laughs> plaisir de débattre avec <laughs> Et Comme disait Kipling, ceci est une autre histoire. Euh, Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques Général Folio. Absolument, je ne l'ai pas dit, mais je le pensais si fort que vous l'avez entendu. Oui. <laughs> Tout à fait. Oui Je vais demander de parler bien fort, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas de micro. Oui alors, c'est très variable. Ça dépend, ça dépend du contexte dans lequel on, on, on évolue. d'abord, ce qui dépend beaucoup, c'est euh, ami ou ennemi. c'est-à-dire que quand on est en territoire euh, ami, euh, enfin quand on est chez soi, on peut organiser l'étape, etc. ça c'est un, un, un premier point. même si, quand on est en territoire ennemi, on arrive malgré tout à organiser, parce que on s'arrange avec les autorités locales, quand même. Hein donc, ça dépend de ça. ça dépend de la saison. C'est-à-dire, rien que pour le fourrage, par exemple, pour la nourriture des chevaux, si vous euh, faites campagne euh, au printemps, vous avez du fourrage mais pas de grain. A l'inverse, si vous faites campagne tardivement, vous avez du grain mais pas de fourrage. Pardon Or, il faut les deux pour nourrir des chevaux. Et donc, la difficulté, elle est là. Vous savez, la, la, la contrainte que représente la nourriture des chevaux, la contrainte logistique, c'est en réalité un élément qui limite le rayon d'action des armées, je dirais les le rayon d'action absolu. Le rayon d'action, bien sûr, relatif, c'est-à-dire autour de l'armée. Là, bien sûr, la cavalerie a un rayon d'action qui est beaucoup plus important que l'infanterie, mais la contrainte du fourrage, elle est beaucoup plus pesante. D'autant que... Un soldat, vous pouvez l'affamer, il n'y a pas de problème, il se débrouillera toujours. Un cheval, si vous l'affamez, il meurt. Et il ne tire plus les canons, comme on l'a vu tout à l'heure dans la... Donc ça dépend d'énormément de paramètres, de la saison, de l'état. Donc le bagage dépend de ça aussi. Ce qui, euh, par exemple, en matière de bagage, l'armée a son propre bagage, et puis il y a aussi tout le bagage qui est c'est-à-dire que lorsqu'on traverse, et ça on le voit par exemple en Savoie, lorsque les armées traversent les villages, eh bien elles réquisitionnent des muletiers, donc qui prennent en charge une partie du bagage de l'armée, etc. Donc, c'est extrêmement difficile de répondre à votre question en disant par exemple, pour telle armée, pour une armée de 30 000 hommes, il faut 30 ans de charge. Il y en a un qui fera ça au 18 e siècle, c'est euh, Tumpelhoff. Un colonel d'artillerie de, 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 de Frédéric II, qui euh, va essayer de normer. Il va nous dire voilà, pour une armée de 100 000 hommes, il faut tant de chevaux, il faut tant de chariots, ça fait tant de kilomètres de long, etc. etc. Et Guibert s'en est un peu moqué, en disant mais on ne peut pas réduire à ce point, euh, euh, je crois que c'est Guibert qui s'en moque, hein, on ne peut pas tout mathématiser à ce point, et réduire à ce point, de, euh, à une perfection géométrique euh, telle. C'est Guibert ou Napoléon, je ne sais plus. C'est peut-être Napoléon qui s'en est manqué. Voilà. Donc, désolé, je ne peux pas vraiment répondre euh, s'il n'y a pas de norme. Il faut préciser qu'un cheval, c'est 35 kg d'eau dure et 35 litres d'eau oui, par jour. Alors en Allemagne, en Lorraine, le l'eau, n'est pas le problème. Oui. C'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Et même oui. au sud de la France, c'est plus mmh. compliqué. Oui, oui, oui. Regardez ce que ça fait par Kyu. Oui. Ou mmh. Et moitié, moitié, fourrage, moitié célèbre. Oui. Absolument. Autrement le cheval, mmh. quand on mange euh, avec l'herbe, il tient pas. Non. <laughs> oui, ça c'est important de savoir parce qu'on a tous cette image dans la tête. Oui. Oui, oui, le cheval qui mange de l'herbe et puis point final. Oui, ouais. alors que euh, s'il mange de l'herbe, il ne travaille pas. Oui. Mmh. Il subsiste, mais il ne va pas travailler parce qu'il ne délère ça pas très bien, il n'a pas de fait Oui, oui. Le choix a besoin de ces 15-20 kg de céréales oui. par jour. Autre question Stéphane.

Oui, euh, mais là on le voit très très bien comment effectivement euh, les communautés euh, s'organisent pour, euh, pour faire face euh, vous parlez, de, vous parlez de, de résistance de résilience euh, ce sont des, 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 des phénomènes tout à fait euh, tout à fait, surpre... enfin, euh, tout à fait euh, remarquables et en effet euh, bah, par exemple c'est peut-être pas un hasard, hein, mais euh, le principe de subsidiarité que vous évoquez, euh, c'est Altusius, c'est euh, cette époque, c'est le début du XVIIe siècle. Alors je ne sais pas, il faudrait se replonger dans Altusius euh, pour, euh, pour voir si euh, il prend en compte la question de la guerre, mais c'est clair que euh, cette problématique-là, euh, elle, est, elle, est, elle est centrale, en particulier, en particulier chez ces historiens anglo-saxons qui veulent un peu désétatiser. L'histoire de la guerre et sortir un petit peu. Avec ça. Sortir un petit peu de <coughs> cette idée de voilà la guerre fait l'État. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, évidemment, hein, qu'il y a une construction de l'État dans et par la guerre, c'est sûr. Mais euh, dès lors que l'on essaye de euh, l'étudier à, à d'autres échelles, c'est d'autres éléments qui se, qui se révèlent. Ah! Euh, bah, c'est tentant. C'est tentant parce qu'au XVIIe siècle, la guerre, c'est une entreprise. C'est-à-dire que même lorsqu'elle est menée au nom du roi, ce sont des officiers qui sont des entrepreneurs de guerre. Or, qui reçoivent des commissions, mais euh, ensuite, qui ont quand même une relative autonomie mais en particulier une relative autonomie financière. Et beaucoup de pillages, etc., s'expliquent par ça. C'est-à-dire aussi qu'ils reçoivent des appointements avec lesquels ils sont censés entretenir leurs leur troupes, qui sont notoirement insuffisants. Tout le reste, il faut bien qu'ils se débrouillent pour trouver de la nourriture, des armes, etc., des munitions. Euh, donc, il y a une forme d'appropriation privée du droit souverain de faire la guerre. Alors, toute la question est de savoir si on est dans la délégation de souveraineté ou dans des formes un petit peu plus, plus ultimes, dans l'aliénation de souveraineté. Qu'est-ce qu'on cède Qu'est-ce que le pouvoir souverain concède à ses concessionnaires du droit souverain de faire la guerre J'irai. Bon. Pas trop non plus, j'irai pas trop loin, parce que malgré tout, ces gens-là ne font jamais la guerre pour leur propre compte. Voilà. Et quand le roi a fini de faire la guerre, il rentre chez eux. Donc faut pas non plus aller trop loin dans le sens. Alors après, est-ce qu'on peut faire. Est-ce que l'analogie entre ce qu'on observe actuellement. C'est vrai que les américains sont à la tête de cette évolution, mais bon, il n'y a pas que. Hein, Société militaire privée, etc. Est-ce qu'on peut faire une analogie entre la résurgence de ces formes d'appropriation privée du droit souverain de faire la guerre je, 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 je ne sais pas jusqu'à quel point l'analogie est, euh, est pertinente. Mais il y a, il y a des gens qui s'interrogent là-dessus. Vous avez par exemple, c'est qu'il y a un historien suédois qui s'appelle Peter Alden qui réfléchit actuellement à la façon dont les relations internationales aujourd'hui sont entrées dans, un, dans une ère, disons, post-westphalienne, qui nous renvoie, en fait, à une ère pré-westphalienne, où l'État n'est pas l'acteur unique, etc., etc. Et donc, lui, il pense, par exemple, que le modèle des relations internationales avant le traité de Westphalie, il est pertinent pour penser des choses aujourd'hui. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut, on peut pousser l'analogie. Oui, bien sûr. Même sur euh, la façon de faire la guerre avec et oui, la cavalerie, oui, oui. on a beaucoup d'utilisation euh, même de la gendarmerie pendant la guerre de uh l'époque, -huh. de faire la petite guerre parce que, euh, en fait, la gendarmerie, c'est très intéressant en tout cas parce que euh, chaque noble important a une compagnie ou même deux de la gendarmerie et utilise l'utilise euh, dans la bataille. Uh -huh. aussi, Les mm -hmm. sièges, donc euh, on, on peut voir euh, la, la petite guerre très liée je crois, mm -hmm. euh, aux guerres de religion. Oui. Après, il y a beaucoup d'autres différences aussi. Mais euh, je voulais demander quelles sont les différences que vous, vous euh, pouvez voir entre les périodes-là Quelles sont les différences entre les guerres de religion euh, françaises Oui. Ah bon, ben bah vas-y, donne-les <laughs> euh, Quelles sont les différences sur le plan des opérations militaires euh, Alors euh, plus d'administration peut-être, plus de... Non, 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 non. Il bah, y, a, y a quand même, malgré tout, le fait que... Dans les guerres de religion, les populations... Enfin, ah, c'est compliqué. C'est-à-dire que les populations civiles... La, la contribution des populations civiles n'est pas du même ordre. Euh, quand même... Euh, encore, c'est vrai que je suis en train de réfléchir aux analogies. Elles me paraissent plus nombreuses que les différences. J'essaye de, de, de penser à un personnage comme Montluc, finalement, la façon dont il mène la guerre, qui est vraiment comme ça. Euh, parce que les guerres de religion sont des guerres. <laughs> Pardon, hein. mais les guerres de religion sont des guerres. C'est-à-dire... Des armées qui combattent des armées, euh, et comme tu le sais très bien, <laughs> mieux que personne, finalement, euh, les épisodes où les populations civiles sont massacrées, etc. L'exemple de la Saint-Barthélemy, c'est en temps de paix, la Saint-Barthélemy. Donc ce n'est pas un phénomène de guerre. Donc, euh, et je crois que les formes militaires des guerres de religion sont très importantes pour mais ça on en a déjà on en a déjà parlé d'une certaine façon j'ai un petit peu le sentiment que les formes militaires des guerres de religion ont pu apparaître à un certain moment comme une forme de régulation parce qu'au moins on fait la guerre entre soldats etc il y a une idée que la bataille etc par opposition justement au désordre complètement civil Là, qui paraît totalement impossible à réguler, quand les, quand les gens se mettent à se massacrer les uns les autres, ça, ça paraît euh, totalement... Euh... Et donc, euh... qu'est-ce que tu en penses, toi Les différences, tu les verrais plutôt où Les différences entre les guerres de religion et la guerre de 30 ans Oui. C'est sûr, oui, oui, dans de la... Mmh. La bien sûr. Mmh. Donc, euh, là, vous pensez que c'est très différent. Mmh. Parce que, euh, la guerre des 30 ans, c'est une guerre essentielle. Mais si on voit tous les bien ça, sûr, des états, mais des états, Ouais, ouais, ouais. Euh, euh, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. oui, Quand même, hein, même oui. Qui est quand même parfois religieuse. Ouais. Là aussi, peut-être que c'est différent, mais ce n'est pas complètement différent. Non, oui, 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 tout à fait. Ouais. Moi, j'avais une petite question sur Gassion. Euh, dans le fait que ce soit à ce point, à l'origine, en tout cas un spécialiste de la guerre de parti, est-ce qu'il n'y a pas une explication à, à aller chercher du côté du fait qu'il a été pendant plusieurs années dans l'armée la, de Gustave Adolphe. Si. C'est-à-dire une armée suédoise qui a combattu beaucoup avec les orientaux, les polonais et tout ça, ce qui, eux, la, les Hongrois, qui la pratiquent. Alors, dans l'armée de Gustave Adolphe, en fait, c'est avec des Allemands, quoi, en fait. Hein, mmh. Il fait la guerre avec des Allemands. Euh, Or, ce pas seulement lui, je crois, hein, c'est tous ceux qui sont autour de lui. Quand oui. on voit euh, les, capitaines, les capitaines de Gation, oui. c'est des Allemands, hein, oui. pour l'essentiel. Et euh, Bon, euh, bon, déjà, c'est des gens qui arrivent en 1635, eux, ils sont quand même en guerre depuis 1618, hein, enfin, depuis, depuis plus longtemps. Euh, alors que. Il enfin, y, a, y a une crise de la cavalerie française dans les années 1630. Hein. On ne sait plus comment l'utiliser. Euh, et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, par exemple, je crois authentiquement que depuis les guerres de religion, il y a un certain nombre de savoir-faire qui se sont perdus. C'est-à-dire des façons de faire la guerre qui se sont voilà qu'on qu ne pratique plus, enfin ou qu'on a oublié, etc. Euh, et parce que quand on voit le comportement de la cavalerie française dans les batailles, etc. Avant, avant Recrois, ouais. qui est vraiment le renouveau. Mais Thionville, par exemple, en 1639, c est, c est, c est, bon, c'est une débandade, c'est une ouais. débandade. Même Recroix, d'ailleurs. Recroise, ça commence mal. Hein, lorsque la ferté ouais. euh, charge à gauche, euh, ils chargent n'importe comment, à tel point que les chevaux, ils sont à moitié crevés quand ils arrivent, parce qu'ils ont pris le galop beaucoup trop tôt, donc ils arrivent, ils sont à moitié morts quand ils arrivent au contact avec les Espagnols. Donc là, il y a un manque de savoir-faire. Ils ne savent pas mener une charge. Donc voilà, c'est. Euh, mais c'est. Ouais, c'est des questions. C'est des questions. Euh, Difficile, ça, à mesurer, parce que bon, bon, les, les sources ne sont, sont pas très nombreuses. Euh, c'est vrai que les guerres, les guerres de Rouen, ne euh, sont pas... Euh, Il enfin, n'y a pas de, 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 de grands combats de cavalerie, etc. C'est quand même des sièges. Hein. Enfin, bon, c'est prise de ville, euh, etc. C'est pas... Et finalement... Euh, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que tout le monde dit euh, qu'il faut aller apprendre la guerre euh, aux Provinces Unies, hein, euh, protestants comme catholiques, d'ailleurs. Hein, euh, un personnage comme siro le baron de siro qui, euh, qui est un catholique, lui, il va faire la guerre euh, auprès des princes protestants allemands dans les années, euh, dans les années 20. Hein, parce qu'il trouve que, euh, que c'est là qu'on apprend le mieux. C'est là que ça se passe. Ça se passe. Ouais. Et vous avez des catholiques qui vont faire la guerre avec euh, euh, les Hollandais. Au point que ça donne ce texte que je trouve magnifique, qui s'appelle La guerre libre, dont je t'ai parlé, qui est publié en 1641, qui est un ouvrage extraordinaire, qui défend, je cite le titre, la liberté de conscience au fait de la guerre. Ce qui veut dire, quand vous faites la guerre, plus question de conscience. Catholique, protestant, vous pouvez faire la guerre pour qui vous voulez. Ce qui compte, c'est de la faire. Oui, ouais, c'est un tournant. Hein. C'est intéressant. Ouais, vraiment. Vraiment. Bon, ben mine de rien, on a déjà dépassé d'un bon quart d'heure, sauf s'il y a une, vraiment une dernière question euh, vitale, ou jugée vitale. Donc, euh, ben nous. On clôt la séance. Merci encore une fois, à Hervé Drévillon, merci à vous. Et rendez-vous donc au 8 janvier. Euh, campagne navale au XVIIIe siècle. Avec le professeur Chaline. Et nous passons ensuite au premier empire. Je peux d'ores et déjà vous divulgue la, la séance de février. Nous étudierons en détail la campagne de, de 1806.